T'es pas pris, hein? Ah, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Bonjour. Bonjour. Vous allez à la messe? Non, je vais à Saint-Ou. À quoi? Saint-Ou. C'est la merde en fait. C'est la merde, on ne voit absolument rien. Hey! Bruh, look at this dude. Wait till you see the. Hey, bonjour à tous, c'est Rémi et Seb, juste à côté. Ça va, fieu? Comment tu vas, fieu? Ça va bien. C'est un dialecte, hein, c'est du ch'ti. On dit au revoir à la famille, tout va bien. Allez, aujourd'hui, je vous embarque dans une journée traditionnelle de moi. On est le jeudi, combien? 17, si je dis pas de... Ouais, 17 novembre 2016. Il est 7h24, bienvenue dans ce vlog, le vlog du mois de novembre. Plutôt en forme. Plutôt nul, dirons-nous. Et je me retrouve avec ma mariée. Alors, je vous explique. C'est le vlog du mois de novembre. À partir de ce mois de novembre-là, je vais essayer de tenir mon appareil photo un petit peu autrement parce que c'est la merde. À partir de ce mois de novembre, simplement, je vais essayer de faire un vlog par mois. Donc, c'est pas vraiment un vlog du coup. C'est pas du daily vlog comme par exemple Anil ou Cassinista. Et encore. Mais là, l'idée c'est de faire une vidéo par mois où je vous embarque dans une de mes journées. Voilà. Et puis, on verra bien ce qui se passera dans la journée. On se fait coller par un gars derrière. Bah, c'est juste pas possible. On va essayer de voir ça. Et on ne voit quasiment rien. Ah, si. Vous voyez le phare là? Bah, le gars en fait il est tout près. Fils de pute. Faut pas lui dire hein, que j'ai traité de fils de pute. En plus, il habite à côté de chez nous, cet enfoiré. Alors t'imagines un peu. L'idée, c'est le décadrage. L'idée, ça va être ça, c'est de vous emmener dans ma vie pendant une journée, tous les mois. Donc ça va être un petit peu chaud avec le lycée, mais je vais essayer de m'arranger. Putain, il peut pas aller ailleurs, ce fils de pute, toi. C'est ça l'idée. Viens. 8 fois, hein, bâtard. C'est la France, hein. Vous voyez, je véhicule l'image de la France un petit peu. Mais donc voilà. Donc voilà un petit peu l'idée résumée de ce truc-là. On va essayer de faire ça. On verra si on arrive à tenir le rythme. Je pense que oui. Mais ça fait que des fois, il risque de se passer que vous allez avoir que des vlogs en fait. Parce que je vais pas avoir le temps de faire d'autres vidéos. Voilà. Il gagne rien, enfoiré. Bite, c'est le délire des gens. C'est, ils disent, ouais, non, on veut pas mettre des radars pédagogiques et tout, machin. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y a un radar pédagogique, tout le monde est à fond de cale à 100. Mais c'est un radar à 50. Et là, bon, tout le monde freine. Alors tout le monde freine comme des cinglés, ils passent à 50. Et après, ils redonnent un coup d'accélérateur pour repartir à 100. Vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Voilà. C'est marqué 50, vous roulez à 50, puis c'est tout. Alors oui, je regarde mon compteur pour savoir si je roule à 50 aussi. Parce que bon, tu vois. Encore un qui a pas compris. Ah mais en fait, c'est nous qu'on avance pas. Donc bah, c'est parti pour cette journée de ouf malade. Il va pas se passer grand chose. On va aller peut-être bouffer à Auchan, à McDo. Pardon pour les marques. Elles appartiennent à leur propriétaire. Mais wesh quoi, mais putain, mais c'est quoi ces gens là? Mais c'est... Non, de Dieu. L'actualité un petit peu de la journée aujourd'hui à 7h33, c'est un petit peu dominé entre guillemets par le français Thomas Pesquet. Je le dis parce que ça va être intéressant, ça va rester longtemps sur YouTube tout ça. Aujourd'hui à la date du 7h33 mais du 17 novembre 2016 à 7h33, même 34 si vous voulez, le français Thomas Pesquet, qui est astronaute un petit peu truc de ouf, va s'envoler pour la station spatiale internationale. Qu'est-ce qu'il va y faire? Il va y faire des petites études, voilà, il va étudier je crois des trucs, tout ça, enfin, bref, je suis pas tellement au courant de la chose, mais voilà, il va partir loin, très loin, très loin de sa famille, tout ça pendant 6 mois je crois, enfin je sais plus, il part pendant une durée, ça va un petit peu plus vite qu'une Twingo, leur fusée là, un petit peu, c'est à peu près ça. Vous voulez travailler? Bah venez, il y a plein d'offres. Venez, je vous dis. Physique appliquée, le pire truc dans ce lycée, d'accord? Physique appliquée, n'allez jamais en physique appliquée, surtout avec monsieur. Enfin, la pause, encore une heure.
alors putain, vas-y Capricaine, n'y allez jamais, jamais je vous ai dit, jamais, jamais. Ah sa mère, la pute. Ah voilà, il a fini son vlog. Eh, hey, il marche encore sa race. Mais je m'en bats les couilles, je suis défoncé, trois chats roulés, une frite, je suis mort, on va dormir toute l'après-midi. Bon, je suis de retour au lycée, mais maintenant je suis défoncé, après j'ai, je sais pas, un truc à la con, et pour vous dire, les chats roulés font très mal à l'estomac, c'est-à-dire je vais dormir toute l'après-midi. Je suis en train de me demander si c'est pas déjà. Bien sûr. Vous avez marqué une minute, c'est partout. Au pire, il flotte. Ah, ça, tu te la pètes pas trop, là, ça. On m'a dit de me filmer pendant que je bois, alors bah. Bon, 4h30, on sort de cours. Pas du tout frais. Les trois charolais sont passés, donc je suis fatigué. Et puis. Voilà, j'ai toujours cadré comme une bite, enfin, ça c'est pas grave quoi. À rien, j'ai envie de te dire, on s'en balèque. Un plan pour vous. Un bon chocolat chaud, cacao intense, 50 centimes. Uniquement au lycée Blaise Pascal de Longnes, dans le Pas-de-Calais. Retenez ça, venez nombreux. Fin de journée, il est au moment où je vous parle, il est 6h07, on est toujours le même jour, le jeudi 17 novembre. Je suis re avec lui. Voilà, il conduit et il s'occupe de nous ramener entier. Je vais vous parler un petit peu de téléphone. C'est que lui, il s'était acheté un Asus Zenfone 2 laser 6 pouces. Et en fait, il a planté à l'occasion d'un enlevage et d'un remettrage de batterie. T'as compris? Si t'as compris, pouce vert. Et à cette occasion-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a totalement perdu les fuseaux horaires, totalement perdu la date, tout ça. Et plus moyen de revoir ça, en fait. Même en ayant été dans les réglages et tout. C'était la grosse merde. Donc, du coup, hier, mercredi 16 novembre, pour vous remettre dans le contexte, monsieur a décidé de renvoyer son Zenfone à Amazon qui va le renvoyer chez Asus. Et en fait on fait un échange. Ouais, c'est un échange vraiment. Il va faire un échange à Asus et du coup demain vendredi 18 novembre il va recevoir encore un Asus Zenfone 2 laser 6 pouces exactement le même parce que c'est un échange. Voilà, je vous dis ça pourquoi, j'ai voulu vous raconter ça pourquoi. Bah parce que moi aussi je vais me racheter, voilà, je vais me racheter de quoi se faire plaisir. Et le problème c'est que je sais pas, je suis dans un gros dilemme. Soit j'achète du neuf, ce qui est peut-être mieux en termes de qualité, mais en neuf, vous savez que j'aime bien les iPhones et du coup j'aimerais bien prendre l'iPhone SE à 489€ en 16Go. Mais le problème c'est que. Voilà, je vous laisse juger la grandeur de mes mains. Et donc l'iPhone SE, malgré une taille déjà assez respectable, voilà, j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment je me dise ça fasse petit. Donc du coup, la deuxième solution, c'est la solution d'occasion. C'est la solution où je prendrai un iPhone 6 Plus directement, parce que c'est grand, et parce que j'ai des grandes mains, donc je prends du grand, puisqu'il y a. Et je prendrai un iPhone 6 Plus. Deux secondes, je regarde si ça règle encore. Et donc, par contre, là, ça serait d'occasion et ça serait, bon, ça tourne aux alentours de 150-300€ pour avoir un iPhone 6 Plus potable d'occasion. Donc voilà, je suis en plein dilemme. Je vous tiens entre guillemets au courant. Vas-y, je vous tiens au courant après que voilà, je me suis décidé, etc., etc. Voilà, on rentre tout doucement à la baraque et puis je sais pas qu'est-ce qu'on fera là-bas. C'est peut-être la fin de ce vlog. Donc je vous dis à la prochaine. La prochaine, ça sera quand la prochaine de vlog. Voilà, le prochain vlog, ça sera le mois prochain, le mois de décembre. Parce que, donc voilà, je commence une série que j'espère pas arrêter. J'espère pas devoir arrêter.
commence une série de vlogs mensuels. Donc je vais en faire un tous les mois. Ça peut très bien tomber en début comme en fin de mois, ça j'en sais rien. Donc le premier vlog, c'est le vlog du mois de novembre. C'est pas le premier vlog de la chaîne, mais je veux dire un premier vlog de cette série-là. Et puis voilà, c'est tout. C'est peut-être la fin de ce vlog du coup. Voilà. Je vous dis à bientôt les gens. Et puis à la prochaine. Salut, peace.